Assis dans son bureau à la cité administrative dans la commune du Plateau, Auguste peut désormais travailler le cœur léger. Plus besoin pour lui de s'inquiéter de la présence ou non de son fils en classe. De son lieu de travail, Auguste reçoit toutes les informations scolaires concernant son fils. De ses notes à sa présence ou non en classe, tout lui est transmis grâce à une application, Enet. Parce que beaucoup d'entre les parents sont tout le temps partis. C'est pas qu'ils n'ont pas envie de venir, mais de façon professionnelle, ils n'ont pas le temps matériel d'être là. Alors qu'ils ont véritablement envie de faire le suivi des enfants. C'est d'ailleurs pourquoi, la plupart du temps, pour ma part, je pense qu'ils ont inscrit les enfants dans ce genre d'établissement. Alors, si une application comme ça, pensée par la direction d'établissement, vient donc renforcer les relations entre l'école, la direction et les parents de l'élève, ce serait vraiment bien. Ça permettrait aux parents de voyager, parce qu'ils ont des soucis professionnels, de voyager et avoir le suivi en même temps. Ce serait une très bonne chose. Donc, en termes de solution d'appoint, oui, c'est encouragé. Collège catholique Saint-Paul de Cocody-Mbadon. Cette tâche, Cramo l'exécute tous les matins dès son arrivée dans l'établissement. Bon, je suis en train de configurer les matières de ce trimestre, pour le troisième trimestre surtout. Voilà, il y a des matières qui ne sont plus au programme, donc on doit les supprimer. Ce fichier, c'est celui du Collège catholique Saint-Paul de Cocody-Mbadon. Il gère tout ce qui concerne la liste de classes, les heures d'arrivée et de départ des élèves, les notes, les bulletins, les absences, mais aussi l'interaction entre les parents d'élèves et l'établissement. Sans Inet, on est obligé d'appeler le parent par téléphone pour signifier que pour cette période, telle matière ne sont plus au programme. Donc ça rendrait la tâche un peu plus difficile. Mais avec une aide, dès que c'est fait, le parent a l'information en temps réel. Donc ça facilite beaucoup cette communication. Enet est une application avantageuse pour les parents, mais aussi pour les élèves. David, 17 ans, est élève en classe de terminale C. Il n'a plus besoin d'attendre à la fin du trimestre pour connaître et vérifier ses notes. J'y vais souvent parce que ça me permet de savoir si les profs ont bien fait rentrer les notes. Et souvent, les profs ont rentré les notes avant même de nous remettre les feuilles. Donc c'est un moyen pour moi aussi de connaître la note que j'ai eue à une évaluation récente. Le logiciel a eu un impact positif sur les notes d'Esther. Sachant que son père sera informé de ses notes, la jeune fille en classe de première C redouble d'efforts pour avoir de très bonnes notes. Mon père, il est quelqu'un qui aime le travail bien fait. Donc quand il reçoit nos notes, il nous encourage chaque jour à travailler. Les soirs qu'on rentre à la maison, quand il voit qu'on a de mauvaises notes, comme tout parent, ça ne lui plaît pas. Donc il nous encourage à vraiment travailler. Donc depuis que l'application existe, mes notes se sont beaucoup améliorées par rapport aux classes précédentes. Une application pour les parents, les élèves, mais aussi pour les professeurs. Théodore, professeur de philosophie, reporte les notes de ses élèves sur la plateforme. Elle lui permet de faire autant de modifications possibles, une possibilité qu'il n'avait pas auparavant. Avant, Enet, on avait les notes sur les feuilles, parfois même on peut se tromper. Or ici, lorsque pendant les saisies qu'il y a une erreur, en tout cas le logiciel nous certifie, et nous signale qu'il y a une erreur. Plus besoin de dire que les feuilles sont perdues. Et même quand parfois on peut se tromper parce que l'erreur est humaine, on peut revenir sur le logiciel et remettre la vraie note de l'enfant. Le suivi des performances scolaires au Collège catholique Saint-Paul de Mbadon est une priorité pour la direction de l'établissement. Avant, il faut dire que la communication était difficile dans la mesure où on balançait les notes aux parents, mais ces notes partaient de façon dispersée. Mais après avoir découvert Enet Africa, nous sommes vraiment satisfaits parce que les notes vont de façon rangée. Les parents ont les notes à temps réel et ont la possibilité de tirer les bulletins à mi-parcours. Donc ce qui fait qu'au niveau du suivi du travail des enfants, les parents arrivent à se connecter régulièrement pour voir le résultat et même voir la moyenne à mi-parcours. Ça a été vraiment une avancée pour nous. Serge Assalé, c'est lui derrière ce logiciel. Ce jeune entrepreneur est le premier à lancer un logiciel de gestion intégrée pour faciliter la gestion quotidienne des établissements scolaires et étudiantins. Notre solution permet aux écoles, à travers des
on va dire à travers l'analyse des données, de pouvoir améliorer la performance des écoles. Dans les années à venir, Eunet Africa compte agrandir son offre avec le paiement des frais de scolarité grâce à l'application. Une révolution à l'ère de la digitalisation dans le système éducatif en Côte d'Ivoire.